Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode de Ruinarc. On est toujours en train de capturer la chef du village avec notre lapin apprivoisé. Ils vont le tuer. Ah ouais, j'avoue, elle va vite. Hein. Ah, puis je peux pas la cibler, elle, parce que c'est un... Oui, elle, c'est... Ils vont tuer notre lapin. Le pauvre lapin, il était trop fragile. Ah, toi par contre, faut que tu te détendes. Ah la vache, là, ça... Tiens, bim. C'est où cette manière de tuer les gens là? Il y a des gens qui ont... Supposition de Oswald Hermanian, c'est un cultiste. Dudley, maître du vent. On va mettre quelques petits. Quelques petits Necronomicon supplémentaires là. Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, visiblement. Herman a fui. Ils se sont sentis menacés après le regard furieux. Et tous les cultistes, ils vont crever! C'est rien de c'est dingue ça. Attends. Ah, c'est un peu compliqué. Hein. Ah puis en plus je peux rien faire sur lui parce que c'est un enfoiré de pas le faire fuir en faisant ça. Je peux pas leur mettre un petit peu de nourriture. Non. Ah c'est ouf. Je savais qu'il allait m'emmerder Oswald mais à ce point-là. Bon après s'il le tue c'est considéré comme un crime hein mais. À soigner, tiens. Ils sont perdus dans la forêt. Très bien. Bah voilà, elle est tombée dans les pommes. Nickel. Alors, on a capturé Alvina. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lavage de cerveau 4%. Ouais, sans surprise. On peut retirer la robustesse, ouais. Voilà, torturer un petit coup. Tas de poissons. Pourquoi il est rouge comme ça? Réveille-toi, dors pas sur le sol. Ah, Ryan cherche ma position, zut. C'est un nouveau, ouais. Et il veut vraiment chez nous. Tiens. Ouais, qui devrait t'occuper. Les rats morts et tout, c'est la teuf. Toi, du coup, t'as ramassé mon Necronomicon? Ouais. C'est dingue ça. Alden, c'est pareil, on te connaît pas, toi, t'es un nouveau, non? Ah non. Ah, c'est toi qui es maléfique. Mais t'es bien heureux, alors on peut rien faire sur toi. Il faudrait que MN garde là. Elle est où? Toc. T'ailles prêcher à Alden. J'espère que ça va marcher parce que Oswald il la surveille.
Ouais, mais elle est loin là. En plus, il y a des murs. On va zapper les gens qui voudraient éventuellement se rapprocher. Et quoi, toi? Tu vas à Mande Taverne. Mauvaise idée. Putain, il résiste, c'est con. Refuse de manger. Il a changé de religion, mais il n'est pas encore cultiste. Ah, intéressant. Toi, tu vas récupérer. Bah ouais, forcément, tu te fais taper dessus par ton rival là. Faudrait qu'on trouve. Lui, il est quoi? Agriculteur bienheureux. Il faudrait qu'on fasse un psychopathe qui tue les bienheureux. Toi, je pense que tu feras un excellent psychopathe. Pas assez de mana, 350 de mana, ouais, c'est bientôt. On va faire un psychopathe qui tue les bienheureux. Gros gros potentiel. Alors, tu vas viser les traits de caractère, les bienheureux. Yes, ça a marché. Plein de nouveaux là, Jubei. Et tu peux améliorer ton portail aussi. Ah oui. Portail niveau 5. C'est parti. Ah, ils sont en train de piller le truc des voleurs maintenant qu'il n'y a plus de voleurs. Barak veut que Alden soit sa prochaine victime. Zut, non. C'était pas lui que je voulais tuer. Enfin, il est bien heureux aussi, mais il est maléfique. Il y avait moyen de le. De faire quelque chose avec elle. Alors, toi, du coup, t'es devenu glouton. Après avoir vu des centaines d'araignées? Ouais, visiblement. 10% de lavage de cerveau, c'est un peu short. Hein. Ouais, la torturer encore un peu. Me demande, il n'y a pas de chenille, ouais, il est toujours toujours occupé par notre lapin là. Oui, en fait on met un monstre dedans et ça nous permet du coup d'en générer après, on peut générer trois lapins si on veut. Non, donc, on peut le sacrifier, tu peux le tuer pour avoir des dents. Je peux le libérer ou le sacrifier. Hop, voilà. Au revoir, petit lapin. Par contre, du coup, est-ce qu'on va pouvoir capturer une chimère électrique? C'est pas dit. Mais c'est quand même plus classe. On va envoyer l'envie, elle est efficace pour assommer. On va mettre quelques petits diablotins pour tanker. Ah, ça va, les autres s'en foutent en fait. Ah mais par contre, il y a des gens qui sont... Il y a une quête, c'est ça, pour s'occuper de ça? Exterminer qui... Ah oui, d'accord, ils ont une quête pour buter tout ça. Ouais. Pas gagné quand même hein, à deux là. Ah, il a apprivoisé une chimère électrique lui. Est-ce que ça va continuer d'en régénérer du coup? C'est pas dit hein. On va surveiller. Alors, on va commencer du coup à travailler sur la chimère électrique, et là, la prison... T'as gagné quoi, toi? Pyrophobique, la peur du feu, parfait, étant donné que c'est une maîtresse du feu, c'est nickel.
On va tenter un petit lavage de cerveau, hein, 10%, ça peut passer. Allez, là du coup. Ah non, c'est Edith qui l'a enterré. J'ai cru que c'était Ermengarde, mais elle est où Ermengarde? Elle est en convalescence, ok. Repose-toi, ma chère. Un mur, ok. Démon de la gourmandise, très bien. Ah, on peut libérer des personnages qui seraient dans la prison, ça c'est cool. Lâcheté. Ah, oh, il est flippant le truc. Boule de foudre. Ça pourrait être pas mal d'avoir commencé à avoir un peu de trucs offensifs. Hein. Encore un chenil, tiens. Mélophobe. Ah, ça c'est pas mal. Infidélité, crise de colère. On va faire des gens qui aiment pas la musique. Non, j'ai pas l'impression. Il avait dit que sa prochaine cible, ça devait être Alden, mais... À la nuit, on essaiera de le faire tuer, Oswald. Tu seras mélophobe. Ah, il a résisté, le salaud. Bah ouais. Hein. C'est des mages donc. Lavage de cerveau n'a pas marché sur Alvina. Le lavage de cerveau, non, ça fait. C'est juste un jet. Du coup, on peut construire un deuxième chenil par contre. Un troisième chenille d'ailleurs si on veut. Et une autre cabane de diablotin. Améliorer les statistiques des monstres, pourquoi pas. Humanoïde, démoniaque, mort-vivant, bestial, d'accord. Hop, on va passer ça à 20%, la force aussi. On va essayer d'aller capturer. Non, non, on a que 100 de mana. Ouais, mais remarque, on a vu qu'ils attaquaient pas, donc. On va attraper un petit golem. Plus costaud déjà, ça y est, on la stun. Voilà, on va pouvoir se faire des armées de golems et de chimères électriques, ça va être plus intéressant déjà. Non, c'est toujours les cadavres. Non, visiblement, c'est mort, on a plus de trucs. Par contre, on peut tout à fait reposer un générateur, hein. Genre ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, il a buté. Non, il l'a pris. Il est prisonnier. Ok, il a fait prisonnier Alden. Et lui, il l'a vu. Non, il l'a pas vu. Ok, très bien. Bon, ça m'embête un peu parce que Alden, du coup, c'était potentiellement un nouveau cultiste, mais. Elden lors d'un rituel psychopathique. Ça fait quand même monter nos objectifs. Hein. Donc c'est pas très grave. C'est toujours ça de prix. Il a trouvé un coffre pas de l'Europe. Ouais, il y avait un coffre là. Ah, il est tombé du coup. Parfait. On a pas assez pour la libérer. Ah, il a trouvé un parchemin. C'est une nouvelle faction, lui, ils ont une nouvelle faction.
Ouais, on dirait un elfe, mais c'est un empire humain, donc... Pacifiste, tous de foudre. Du coup, il va créer un nouveau village, peut-être. Non, il juste c'est un aventurier, un agriculteur qui se balade. Ah, elle est devenue quoi? Ça va nous aider. Et alcoolique. Ah non, elle a toujours à 4%. Ah non, je voulais pas la libérer, je voulais la lavage de cerveauté. Oui, mais il se voit bien qu'à 4% ça marche pas. 4% c'est 4%, ça peut passer. Hein. Ah, Tom, ça, de toute façon, au moins comme ça. Oui, au moins comme ça, t'as des embêtes. C'est ça. On va mettre un petit kleptomane sur Dudley. La chimère, on peut faire un truc. On peut expulser la chimère, ok. Debout! Si tu mets de l'eau debout. Sur la chimère électrique, ça fait des trucs marrants. Ah bah, faudra que je sais quand j'aurai de l'eau. Bah, t'as de la pluie. Enfin, c'est de la pluie quoi. Elle est mouillée. Mauvais temps, humide. T'as négatif, mais c'est tout. Lui. Dudley recherche notre position. Va plutôt voler un truc à quelqu'un. Je sais pas. Quand c'est au niveau maximum, il y a des gens qui vont s'énerver, qui vont essayer de venir nous chercher. D'accord, je peux vraiment à la mort, explosion, zombie. Ah, c'est comme ça, d'accord, ok. Donc je leur mets le truc, ils sont obligés de mourir. Vitesse de consommation. Taux de contamination aérienne, taux de combat. Ah oui, c'est particulier, ok, pourquoi pas. En fait, tu crées le Covid. On peut créer le Covid, ouais, exactement. Ah bah, il est déjà en train de voler un objet. Parfait. Il veut reporter le crime, mais il n'y a pas de leader pour reporter le crime. Ah, ici on a des araignées géantes qu'on popait, tiens. Est-ce que tu peux pas prêcher à quelqu'un, toi? Que tu peux prêcher aux psychopathes. Donc à Barak. Va prêcher à Barak. Ah, parce que pour l'instant,
C'est toujours la chef, c'est elle, mais tant qu'elle est pas morte. Bah oui, je sais bien qu'il résiste mieux, mais. Putain, on a 5 de résistance mentale, hein. On va retenter, ça me coûte pas cher de toute façon, et après on la libérera. Quoi, Ryan? Lui c'est vraiment l'aventurier quoi. Ça n'a pas marché. Alors du coup t'as prêché. Ah non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tout Barak. Il est là. Ok, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça s'est passé. Alors, t'as gagné quoi toi? Non, j'avais juste fait un lavage de cerveau. Allez, on va te libérer. Ça, c'est autre chose. Déjà, faut qu'elle se réveille. Alors, si t'as des astuces, enfin d'ailleurs, je dis squash, mais dans le chat, si vous avez des astuces pour le Necronomicon, là, je serais assez preneur à savoir comment il fonctionne. C'est quoi un personnage adéquat en fait? Bah peut-être un trait, ouais, mais quel trait? Lui il est kleptomane, chat nocturne. Ça y est, elle revient Elvina. Ouais, elle revient. Quoi? Il est en train de partir en couille. Oswald y surveillait les mêmes gardes, elle l'a accusé d'agression, il y a l'océan ouais. Regard furieux. Ils vont partir en cacahuète là. Il est où Barak là? Barak, il va falloir qu'il s'occupe de buter Oswald là. Alors peut-être pas en plein jour. Et Requenton, ah bah content que t'aies terminé le travail, c'est cool. Tu bosses dans quoi d'ailleurs? C'est pas indiscret pour à chaque fois bosser le week-end comme ça? Parfait. Elle va dire à Alvina que Oswald il est pas gentil. Voilà une bonne idée. Alvina elle est contente d'être rentrée chez elle, dans sa maison moitié en flammes. Ah, c'est un criminel recherché du coup maintenant, Oswald? Bah tiens, ça lui apprendra. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas te tuer des gens comme ça? Eh, c'est elle la victime, hein. C'est Oswald le méchant. Quoi?
Oswald est devenu le chef des bandits, parfait. Ben non. Ah non. Le devenu le chef de la colonie de Hernia. Ah si, c'est ça. Okay. Ah, il a appelé sa colonie. Il a appelé sa colonie Hernia. Ah oui, je vois, ouais. C'est effectivement si t'es responsable de gérer les. Ah, Marnel, il a déjà chopé le criminel, quoi. Ils sont un peu trop efficaces, les combattants dans le coin. Tu vas tuer Nerissa devant Marnel? Je suis pas sûr que ce soit une excellente idée. On va le zapper. Putain, déjà. Oui, bah c'est des infos, mais... Ok, il est suffisamment intelligent pour ne pas... pour ne pas faire ça devant des gens, c'est cool. Elle est bien heureux. Ah ouais, elle est bien heureux. Bien heureux et dévote. Et on peut pas tirer aux araignées, genre t'attaquer... Si, les araignées, elles peuvent attaquer les provisions, je crois. Ouais, non, détruire les bâtiments, les piles de ressources. Elles peuvent, bah le problème c'est qu'elles empoisonnent la nourriture et tout. Allez, va voler quelque chose, tiens, à la chef du village, la bonne idée. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, il a fini par la choper, il va l'assassiner. Parfait. Fais ça discrètement. Et va l'enterrer dans le buisson. Ah oui, chargé d'affaires commerciales, support technique, tu ratisses large, effectivement. Alors là, normalement... Ouais, on a réussi à tuer 3 villageois. Ah, on a... ah, ça compte même si l'adorateur du démon est mort, ça c'est cool. Ouais, propager le fléau au monstre, tuer 0,5 villageois par le fléau, tiens, bizarre, il devrait être compté au moins 1. Bah oui, tuer 1 sur 15 villageois, on a tué plus que ça. Ah non, provenant du joueur. Oui, provenant du joueur, sinon ce serait trop facile. On peut faire le fléau sur des monstres, genre sur des lapins? Non. Falloir que ça se répande. Sur la chimère peut-être? On peut l'expulser? Alors je l'ai expulsé, mais du coup est-ce qu'elle est... Non, c'est toujours la copine de Dudley, forcément. Et lui, il va... faire un cercle magique ici, ok. Fais donc ça. Plouf! T'es un peu trop efficace, Marnel. Ah, quand il est de mauvaise humeur, ça augmente la réussite du lavage de cerveau. 60% de chance sur un lavage de cerveau sur lui. Je suis désolé, gars, mais... On va te choper discrètement. Ouf! L'électricité dans l'eau, là! Par contre, ils sont loin. Il va leur falloir un petit moment avant de... On va le zapper, lui. Hop, voilà. Tiens, t'as fait des ombres de chaos, toi? Non, c'est trop tard. Il se passait quoi là? Il a marché.
J'avais posé un piège ici. Ah oui. Attends, la vache, ça doit faire un moment qu'il est là. Du bait, t'es qui toi? T'es un kleptomane persuasif. Empoisonné. Bon, si je les rappelle, je pense que du coup ça va aller, ça va laisser l'autre. Il continue de l'attaquer, dommage. Allez, soigne-le. Plus de mana. Tant pis, il est mort. Non, il est juste inconscient, lui. Du coup, le Necronomicon est tombé au sol. Ah là là là, va falloir faire venir d'autres personnes. Une petite migration. Daisy, Whitney, Oliver, Dusty, Gordon, Edwin. Francesca. Quoi, Alvina va juger le crime? Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, Oswald, c'était celui qui... emmerdait notre... notre cultiste, donc c'est très bien. Ah oui, c'était celui qu'on avait envoyé dans le camp de Grandi. Bah si, il avait été dénoncé pour agression parce qu'il agressait Emmergard. Et du coup, il était devenu chef des bandits, il a été arrêté, il s'est enfui, devenu chef des bandits, il a été repris direct. Et maintenant il est mort. Allez, mets des pièges à coller. Ça me donne un peu. Un endroit où il n'y a pas trop de place, on va en foutre un là. Il est moins de choper Oliver là. Bonjour Oliver, t'es optimiste, t'es lourd. Apprendre que dans ce village optimiste, c'est pas forcément. Tu seras agoraphobe. Ça, c'est un agriculteur. Ah bah oui, il commence à être plein le petit cimetière, c'est la vie hein. Bon, je sais pas où sont les cadavres qu'on a cachés hein. Il y a des petits cadavres cachés à droite à gauche, c'est vrai. Daisy. On a la tâche accomplie, tu es 3 sur 3 villages avec un psychopathe. Parfait. Ambitieux. Alors, en fait, est-ce qu'on l'a capturé l'autre? Ça y est, il est là. Avant que son humeur remonte, il est trop tard. Ah mais j'ai l'impression que ça baisse pas son humeur. On va essayer de le torturer quand même. Mais... tu vois, il est gargouille un peu en colère. On peut essayer de le mouiller, Ringer. Par contre, ouais. Tout notre Ah c'est 150 qu'on gagne donc hop là plouf plouf. Ah je peux peut-être pas le si ça descend, ça descend parfait, il est à 60% là. Pour l'instant, il n'a pas de torture, je crois. Des centaines d'araignées déversées. Mais du coup, il est hot head. Avec quoi? Tête brûlée, prompte à la colère. Et t'as Whitney qui joue de la guitare, t'as pas? Ah putain, il est déjà remonté. Zut. Plus de mana. Allez, 60%.
C'est parti. Un peu de bol, ça passe. Et du coup, je disais, t'as Witek ou de la musique. Est-ce que tu peux pas faire en sorte... Les squats des cochons de la joie. Bah, normalement, je crois qu'on en a un de mélophobe quelque part. Il faut du mana pour tout ça. Ah, là, on a un lâche, là. Ah, mais il est bien heureux. Mais par contre, il y aurait peut-être moyen de la... de le prêcher. Elle est où, Emmengarde, là hein? Parce que finalement, elle... elle arrive bien à s'en tirer, hein. Merde, c'était qui, j'ai déjà oublié. C'était Terence. Terence. Elle est druide. Oh, cœur brisé. Pourquoi elle a le cœur brisé, la pauvre petite madame? Sans son cœur brisé, bah, je sais pas. Ah, Oswald est mort. Elle était quoi avec Oswald? C'était son fils. C'était la maman d'Oswald. Si tu prêches ça en plein milieu là, ça va être un peu pas très discret. Ouais, non, on fait ça dans la maison. Mais non, regarde! Elle a flirté avec. Mais attends, tu l'as demandé de prêcher à Terence, et c'est Marnel qui a été endoctrinée? Mais non, Marnel, c'est l'autre qu'on était en train de faire un lavage de cerveau. Ah oui. C'est trop compliqué. Voilà. Là, elle a... elle a prêché le culte des démons, et ça a donné quoi? Ça n'a pas fonctionné, mais comme il l'aime bien, il a décidé de pas l'accuser. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Enterrer Jubei. Alvina, elle va mieux? Ouais. Plus grand monde qu'elle aime bien. Elle est amie avec Ermengarde quand même. Oh, on a créé un nécromancien. Ah, alors c'est qui le nécromancien? Alvina, mage, Dudley, druide. Marnel peut-être. Marnel, ah il est là. Marnel en train de regagner de l'énergie noire. C'est un cultiste nécromancien. Donc il faut peut-être que ce soit un cultiste mage qui lise le Necronomicon. Cool. Bon, on a réussi deux tâches. La dernière fois, j'avais bien réussi à les rendre tarés en les empêchant de dormir, etc. Mais j'arrive pas trop là. Et du coup, il est carrément, oui, il a rejoint la faction des morts-vivants. Du coup, c'est le chef de la faction des morts-vivants. Oui, il a créé des morts-vivants. En colère, ennuyé, humide. Et du coup, il repaye à la taverne pour aller dormir. Et bah bim, on les réveille. Du coup, il récupère les cadavres. Ouais. On pourrait refaire un petit lavage de cerveau là, du coup. Mais c'est vrai que c'est pas mal de se rendre compte qu'il faut que l'humeur soit basse. Ouais, enfin un nécro, exactement. Oui, attends, je regarde. Manque de divertissement, légèrement furieux. Et des trucs genre une boule de foudre, on n'a jamais essayé. Ah, la boule de foudre, c'est vraiment un truc de défense, quoi. Je pourrais le faire éventuellement si je lance un assaut et puis que... voilà, mais... Oui, ça va pas les énerver. Non, ça va les blesser.
Ça va peut-être leur faire une peur bleue. Si on arrive à le mettre au niveau rouge, je pense qu'on peut lancer un truc critique. Tiens, il commence à ressusciter des squelettes là. Ah, il y a Hilary. Coucou Hilary. Alors du coup, c'est quoi les objectifs qui sont liés? 12 squelettes actifs, faire apparaître des fantômes, faire apparaître des revenants. Un fantôme se manifeste à partir du cadavre d'une personne trahie. Un revenant apparaît peu après qu'une guerre sanglante entre factions ait anéanti un village entier. Ouais, ça je pense qu'on pourra pas le faire parce que faut être sur une grande carte avec plusieurs villages, ce genre de choses. Réveille-toi! Tiens, tu seras mélophobe. Et les petits rats, ça les embête pas. Bah, ça infecte la nourriture, alors du coup, c'est toujours ça de pris. Hein. Mais avec les lumières, là, ils les repèrent, en fait. Ah, il a dû passer dans... Ah, il est passé dans la lampe de quartier, là. Dépouillé. Ah, il l'emprisonne, tout n'est pas perdu. Soigner. Ah, ici elle a été faire un petit rituel, parfait. Il y a un arbre qui a pris feu là. Ouais, forcément, tu fuis arbre. T'essayes de mettre le feu à tout ce qui se passe, à tout ce qui passe avec tes boules de feu, bah ouais. Logique, ça fout le bordel. Allez, on va le libérer. Il est pas full life encore, hein, non. Ok, comme ça il se tire. Top, discrètement. Tant qu'on n'a pas posé des petits pièges, mais c'est vrai qu'il coûte cher maintenant notre piège. Hein. Ah, Hermerguin et Barak, ils s'auto-surveillent quoi. Pourquoi elle veut là, elle? Il y a une quête. Ah, j'ai réussi à le piéger, parfait. Pourquoi ils vont tous là? C'est quoi la quête? Quelle est la quête? Dites-moi. Patrouille. Alors on lancera une petite poule de foudre dans le tas peut-être. Ah ok, d'accord. Ouais, elle se déplace vite fait quoi. Bon, il vérifie qu'il n'y a rien d'autre qui soit apparu visiblement. Après c'est vrai que... Il y a un Mergand qui est venu tranquillou bilou. Ah, il y a... Barak a été repéré en tant que bandit. Il faudrait qu'on ait d'autres personnes qui fassent des trucs.
Genre des kleptomanes, des trucs du style. Oliver. Non mais, à baraque. Pas très utile. Tant pis. Chemise en créature lunaire. Ah bravo, ils ont été tués les créatures lunaires là-haut. Tout ça pour faire des chemises quoi. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce qui se passe? Oliver, il tape sur Barak. Mais il y a l'autre qui va venir l'aider, j'imagine. Ouais, voilà. C'est quoi toi avec ta grosse armure? T'es chevalier, mec? Baby, baby. Lubrique. On peut améliorer notre portail. Des événements spéciaux, protection, capturer un monstre, un autre démon inférieur, boule de feu, soufre, monstre de l'enfer. Ah, on va pouvoir faire des vampires. Allons-y. Voler dans d'autres maisons. Allons-y. Ah, il a résisté. Le chevalier. Quel enfer. C'est ça, fuis. Bah, peut-être pas dans le village, ça c'est un peu con. Ah, le débile. Toi t'es pas content? Bah comment tu peux pas être content? Plonger dans les pensées sur son passé, dans mes mecs. Bon bah, les bandits, franchement le coup de poser le truc de bandit juste à côté de la ville, c'est vraiment pas pertinent. Hein. Mmh. Ah zut. Faut vraiment le faire qu'ils sont meilleurs. Qu'est-ce que tu fous mais du village toi? Un rat. Bah oui forcément, tu te balades au milieu du village, espèce de con. Eh bien il est mort. Ouais c'est compliqué hein. Pour l'instant, la seule qui s'en sort, c'est Almengarn, quoi. rébellion, démissionner, un style de guerre. B. Terence est toujours en vie. Non. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah oui, il était bien heureux, c'est vrai. Il a dû se faire psychopathiser. Alors, un pouvoir, monstre de l'enfer, permet d'implanter un monstre de l'enfer à l'intérieur de la cible. Vampirisme. On va faire des vampires.
Boule de feu, des dizaines de rochers enflammés depuis l'espace. Un bon tank, tiens, allons-y. Une mine, des petits jets d'eau. Ok. Une baraque a enterré Terrence, ouais. C'est ça, il s'est fait... Il s'est fait tuer lors d'un rituel psychopathique. Il aurait été efficace, notre psychopathe, hein, mais... Ah, on a des petites armes, là. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on transforme genre le chevalier en... Toile. Je suis sûr qu'on peut faire de toi un psychopathe. Psychopathie. Et tu vas tuer l'herceleur. On a, il y a au moins Whitney qui a tué notre notre nécro, c'est une harceleuse. Ah, on va pouvoir faire protection la prochaine fois qu'on aura. Ouais. Gordon. On va essayer de t'enlever toi aussi. Avec l'envie, on va envoyer un diablotin et un golem. Je pense qu'il y a moyen qu'on pète ton humeur. On arrive, il est déjà assommé, comme ça au moins. Ah putain, l'autre il a pété un plomb. Ah parce qu'il est. Il est agoraphobe. Alors, le démon, il a ramené, il prend le cadavre, il se barre. On peut prendre le golem, le mettre là. Il devrait gagner contre le diablotin. Ouais. Voilà. Il va s'énerver un petit peu, péter des trucs. Toi tu passes comme ça au milieu, tout le monde s'en fout. Ok. Très très bien. Bah je pense qu'il retourne se défendre. Ouais. Alors ça y est, il y en a qui commencent à se réveiller là. Non, je veux pas que tu meurs toi. Arrête un peu. Oui, t'es à 5 chances sur 5 de représenter. Non, je suis à 4 sur 5. Ah non, t'as l'air trop de sauter. Où ça? Ah ça? Bah non, c'est depuis que j'ai eu le niveau 1 qu'il y a ça. Allez, il est à 60%. On peut le choper peut-être dès qu'il le met dedans. Normalement dans ses relations... Je pensais qu'il était marié avec l'autre, tiens. C'est parti pour un petit lavage de cerveau. Exterminer de la paix vers les Sanmin. Ok, alors attends, c'est quoi? De la paix vers les Sanmin. On peut voir les lieux. Normalement, on a... Ah oui, c'est vrai qu'il n'était pas devenu cultiste, l'autre était devenu nécro. Marvel. C'est pas moi de la paix vers les Sanmin, non, c'est de la corruption, machin truc. Qui réchauffe bidule. Ah, ça doit être là où il y a le squelette. Non, même pas. Bon, bah, on va les suivre, hein. On verra bien. Oh, on peut la transformer en vampire. La noble vampire, c'est classe. Allez, elle a résisté. Dur.
Oh non, il a pas marché. Gordon. On va te faire flop flop de l'eau. Ouais. C'est combien le temps avant de rechoper le vampire là? Oh la vache! 1421! Dur. Il nous faudrait quelqu'un qui a déjà plein de. De trucs négatifs là. Tiens, toi. Ah non, t'as déjà pyrophobe. Pas te remettre pyrophobe. Tiens, toi. Paf. Son humeur est critique ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Allez, 20 secondes, on va essayer de le garder. Bah, je voudrais pas que ça remonte en fait. Si je fais de la pluie maintenant. Il y a toujours 60%, c'est parti. On peut remettre un petit Necronomicon dans le dos d'Elvina. Je sais pas. Elle s'est pas amusée depuis longtemps. Ça, c'est un hôpital. Gordon a été endoctriné avec succès. Voilà. Oh, il a été. Il avait un Necronomicon lui aussi. Du coup, il est devenu. Ok, donc c'est bien ça. Un Necronomicon, il faut qu'un cultiste porte un Necronomicon et qu'on le. Du coup, le squelette, il va à Gordon. Il va falloir générer plus de morts. Alors notre psychopathe, notre nouveau psychopathe, c'était qui? Je peux peut-être voir ça là directement. Hop, trait de caractère. C'est Erwan. Erwan, mon cher. Déclencher un défaut. Je cherche quelqu'un à tuer. Parfait. Il y a Whitney qui est juste là, regarde. Ah merde, il y a Daisy aussi. Bah, il ramasse des trucs qui traînent, hein. Plutôt craint. Ah, parce qu'elle a dû se faire attaquer. Ils ont été nettoyés, les araignées, rien. Ah bah, ça devait être ça, la paix vers la Sandmine, ouais, c'était ça. Je sais pas, il s'est passé quoi là? Whitney a purgé Erwan du poison. Ok. Parfait. Donc plutôt que la tuer en plein jour, il s'est laissé purger du poison. Ils construisent des armes. Ils se préparent au combat. Non, on peut le créer que à. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que t'as fait? Il a trébuché. Il a fui Gordon, a eu peur. Ah oui, Gordon maintenant c'est un nécro. Et il s'est enfui devant Gordon, ok. Très bien, ça fait le taf. Oliver. On va te déclencher ta kleptomanie. Ah non, chut. Y'a plus rien à voler à côté, sérieux. Y'a du mithril. Hop, on récupère les mithrils. What? Angels sont arrivés pour vous appliquer un châtiment divin.
Ah merde, et le jeu a planté du coup. Ça freeze. Non! La vache, le crash. Ah, j'ai volé le mithril alors ça a monté la représailles. Alors, je suis désolé pour le... je redémarre le jeu, ça devrait revenir assez vite. On va voir, normalement il y a de sauvegarde auto. RIP. Man, on va voir où on en est. Après, on peut invoquer des démons dans notre truc avec tout ce qu'on a, tous les démons qu'on a débloqués et tout. On peut se défendre. Enfin, c'est vrai que déclencher les représailles juste parce qu'on a piqué un bout de mithril, hein. Alors, ok. Une discussion gênante. Ça, c'est pas mort. Ok, donc ça va être assez tard quand même, hein. Gordon, il en est où? Ah bah, on avait lancé l'assaut sur Gordon, ok. Très bien. Bah du coup, ouais. Impliquer un châtiment divin, et ben c'est pas grave, on va invoquer nos trucs pour se défendre. Ange magique. Ok, ils sont deux, ils sont là. Peut les zap, très bien. Peut leur invoquer des trucs sur la tronche. Oh! La one shot? Ah non, c'est la gelée. Figé, enfermé dans la glace. Parfait. Balancer un petit pic d'eau et une boule de foudre après. Voilà, il a plus de 200 PV, ça devrait le calmer. Oh, il s'est fait défoncer. Ah, et on redescend à 0 sur 5. Ah, d'accord, ok. Et du coup, lui, il est tranquillement en train de revenir avec son. Par contre. Mais du coup, ça veut dire que c'est avant que Gordon il soit devenu un nécromant? Ouais, c'est avant, mais c'est pas grave. On va le nécronomicier quand même. On va renvoyer tout le monde pour qu'il commence à se recharger. Ah oh oui, ils sont gentils les petits anges, ça va. Il doit avoir fait un petit rituel à Emmengard. Elle rentre tranquillement. L'autre il a tout, il est toujours en train de péter un plomb. Ah non, il s'est fait tuer cette fois. Et bah voilà. Elle a laissé tomber le Necronomicon. Et ben alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu seras une vampire. Non, elle a résisté. Zut. Dommage. Alors, ça y est, il va déposer dans la prison. Parfait. Donc là, on a bien nos 60% ou pas? 60%, c'est parti. Ah oui, elle est à 100%, ok. Très bien. C'est devenu un adorateur du démon. Et du coup, Gordon, voilà, c'est un petit mort-vivant. Est-ce qu'on n'enverrait pas des monstres détruire la défense?
lancer une petite petite attaque. Il nous reste les golems là qui se sont pas fait tuer. Ouais, en même temps ils sont plus que deux. Non, on n'a pas de monstres. Par contre, elles, on peut les envoyer. Non, on peut pas. Ah zut, comment ça se fait? Ah non, j'ai plus de... J'ai plus de proposition pour le faire. C'est pas grave, on va réinvoquer un petit nid de monstres ici. Et puis des petits rats infectés, par exemple là dans la maison. Qu'ils aillent pourrir un peu les provisions. Gordon étudie le Necronomicon. C'est bien, invoque-nous des trucs. Alors c'est chiant parce que la porte elle est en plein dans le village quoi, mais bon, c'est comme ça. Va donc picoler un peu. Je peux faire des murs, ouais. C'est vrai, comme ça par exemple. Ça protège un petit peu son entrée. Il y a des Necronomicon partout. Ah, ils ont buté les araignées. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on pouvait pas lancer d'assaut. Ça se trouve, ils avaient un truc pour le faire. Par contre, lui, il va crever du poison. À ce rythme-là. Ah non, il reste 200 PV, ça va. Ah, il commence à être costaud, hein. 45% à résister. Erwan, c'est pas lui notre psychopathe? Si, c'est une autre psychopathe. Ah, ça y est, on a pillé qui est apparu. Ça doit être parce qu'il y avait la quête active. Et salut Xebus, bienvenue sur le live, comment ça va? J'avais vu des ormes, mais ils ont disparu, tant pis. On se met un petit peu à jour sur Winark, vu que t'avais le jeu déjà, mais je pense que t'as joué il y a depuis un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends, Whitney a flirté avec Erwan. Erwan a tenté de l'assommer. Il a flirté en retour, mais il a tenté de l'assommer quand même. Oui, parce qu'Erwan c'était le psychopathe. Et du coup, il a dû vouloir se faire Whitney. Sauf que comme un con, il l'a fait en plein jour, le pauvre artisan et tout. Du coup, bah, il s'est fait tuer. Ah ouais, c'était un chevalier, il est devenu artisan, quoi. C'est quand même pas de bol. Ah non, il doit être devenu artisan parce qu'il est mort, en fait. Ça va bien, Xebus. Ça va bien, merci. Bah écoute, franchement, c'est un peu comme Shadow of the Forbidden Gone, mais en plus localisé, on va dire. Et c'est vrai que moi, je m'amuse bien. Je trouve ça marrant. Alors c'est sûr que c'est plus lent et c'est pas simple. Hein. Remplir les objectifs, c'est hyper compliqué, quoi. 13 tâches, mais... Ouh. Et salut Brodyman, bienvenue sur le chat. Ah, mes murs, ils ont disparu. Ils ont une durée de vie? Bah ouais, normalement. Ah si, durée de l'état 4 heures. Ouais, ils durent 4 heures, mais après ils disparaissent. Ok. Oui, mais c'est durable dans le sens où ils durent 4 heures, quoi. Oui, mais oui, du coup c'est durable, pas durable. C'est durable avec une durée. C'est ça, c'est durable avec une durée. Bon, bah on a perdu notre psychopathe. Zut. Attends, il fait quoi les bêtes de Zitins?
Ah, ils sont le... Mais Gordon, Gordon. Ne pas y aller en pleine journée comme ça. Il y a des gens. Tu fais attention. Aïe, aïe, aïe. Surtout sans... Surtout sans... Sans squelette pour t'aider, quoi. Je pense qu'il faut en faire des squelettes, mais il est un peu débile. Bon, bah, on va aller foutre un petit peu le bordel en l'enlevant au milieu de la foule, là. Hop là. Hop là. Putain, elle est costaud, hein. Ça y est, elle est stun. L'autre s'enfuit parce qu'elle est lâche. Il y a Whitney qui s'en mêle un peu. Gordon, il est mort ou comment ça se passe? Oui, mais ça c'est pas grave. Non, Gordon, il est juste inconscient. Il a été assommé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'eau sur les gens qui dorment. Ah, déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est de l'eau sur lui pour le réveiller, peut-être. Ah non, c'est Ermengarde ça. Bon, pas tant pis. Là, il y a des squelettes et des rats qui se battent. Ok, très bien. Les squelettes et les rats qui se battent ensemble, pourquoi pas. Bon, Whitney, réveille-toi et finis le diablotin, là. Voilà, parfait. Elle va crever, Whitney. Faut pas qu'elle meure, Whitney. Ouais, faut pas non plus qu'elle tue Gordon. Ouais, mais Gordon, il est stun, donc normalement, devrait pas... Voilà, il va tuer ce truc là, parfait. Ah non, elle tue quand même Gordon. Bah merde. Oui, voilà. Ah, mais elle se fait choper par un squelette. Diantre! Est-ce que je peux la zapper? À résister, à re-résister. Pas possible! Mais tu peux faire protection peut-être? Protection là-dessus. Elle est vénère, hein. Non, il y a... On va l'expulser. Elle continue quand même de s'énerver. C'est pas possible, ça. Est-ce que je peux lui demander de rejoindre les bandits? Il y a des petits ormes tout là-bas. Ah oui, on a des araignées géantes qu'on popait là. Ok. C'est dommage qu'on n'a pas le pouvoir pour ramasser des gens. Ça serait vraiment, vraiment puissant. Eux, ils sont pas encore arrivés, mais bientôt. La Gordon, il va remourir là. Ouais, il résiste. Putain, mais il est hyper costaud, hein, 54% normalement, c'est pas non plus la teuf, quoi. Ça, il s'est réveillé, lui. Il lui reste 30 PV. On va lui mettre le fléau pour la peine. Elle me casse les couilles. Là, ça fait deux fois qu'elle nous tue quelqu'un d'utile, là. Voilà, t'as été expulsé de ta faction, rongé par le fléau. Merci de crever. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse Ermengarde? Non mais faut que t'arrêtes là! Ça suffit un peu les conneries! C'est un truc de fou cette meuf là! Elle est ingérable! En plus, ça fait tellement mal, 148 quand elle tape. La vache, quoi. Oh, merci Brodyman. C'est super cool, merci beaucoup. Pour l'abonnement pour 6 mois, du coup. Nice. Merci beaucoup. Alors, elle, il faut qu'on la mouille un peu pour qu'elle perde son humeur. Pas assez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre une petite boule de foudre.
plus de mana. Ouais, l'autre, elle nous fatigue là. Je sais pas si c'est le fléau qui la rend d'un taré, mais. Taux de réussite 0%. Ok. Elle aime pas Ermengarde. Hein. Allez, une seconde, on va pouvoir soigner. Elle est en train de mourir. Non, soignons-la. Oh, elle fait tellement mal. C'est ouf. Pas assez de mana pour zapper, zut. Y'a personne qui l'aide, quoi. C'est combien de mana pour zapper? C'est 100. Enfuis-toi! Ça y est, ça l'a calmé. Bébé bordel. Ah non, mais tu vas pas l'agresser, c'est bon. Ça suffit un peu! Ah, le dawa, quoi! Sans déconner, on a réussi à remplir le cimetière, quoi. Bon, est-ce qu'on peut s'occuper tranquillement de Daisy? Voilà, mouillé. Humide x 2. C'est pas assez. De toute façon, on n'a pas assez de mana. Ah, ça y est. Ouais, c'est bon. Il nous faut 100 de mana. Ouais, ça va remonter vite. Il y a 200 par heure. Voilà. Hop, un petit lavage de cerveau pour Daisy. Et ça va dessiner un cherche magique. Ouais, elles sont mortes donc. Le fléau, normalement, 192 heures avant qu'elle décède. Un adorateur de démon. Alors, est-ce qu'elle est devenue un vrai adorateur? Non, elle est devenue. Elle avait aussi son Necronomicon, elle. C'est ouf. On a géré plein, hein. Ouais, j'ai généré plein de Necronomicon, c'est vrai. Il y a des gens qui les ont laissés tomber et. Ryan, il ferait un bon vampire. Encore 900 secondes là. Ah ouais, vampire, c'est très très loin. Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop, on est d'accord. La peur en parle. Ouais, je sais. Il faut qu'on arrête l'épisode de VOD. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Mine de rien, on se fait prendre dans ce jeu. Hein. J'avoue que c'est hyper long de réussir les objectifs. On a fait 3. Mais c'est franchement cool. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.